J'aime pas que quelqu'un me crée. C'est mieux quand mon maîtresse a raconté une histoire. Quand vous me dites qu'on a changé. C'est la pâte à modeler avec la peinture. J'aime bien aller au cinéma et aller au film. J'aime bien chanter. J'aime bien manger des carottes. Moi, j'aime pas quand mon papa et ma maman se font des bisous sur la bouche parce que c'est dégoûtant. J'ai prodigué des dons à un pays imaginaire. J'ai procuré des fleurs à un pays inventé. Je me suis inventé une fable pour un pays fécond. Je me suis découvert un songe pour un pays à créer. Je me suis donné des rêves pour un pays à découvrir. Je me suis donné des rêves pour un pays à découvrir.
aime grand, grand, grand comme le vent. Je t'aime vert, vert, vert comme la mer. Thank you.
quand les astrophysiciens, quand ils m'ont présenté le radeau satellite, ils m'ont dit que si je voulais devenir astrophysicien, il faut apprendre les maths et l'anglais. C'est les deux choses les plus importantes. Thank you.
Mais est-ce que l'enfer, ça existe?
adulte tout de suite et qui ne voulait pas devenir adulte. Et après, il y en a de la classe qui préférait être adulte. Et moi, je ne voulais pas devenir tout de suite adulte parce qu'il faut profiter du bonheur quand on est petit, de, quand on grandit, parce qu'après, eh ben, un jour, on va devenir vieille ou vieux, on va mourir. Oh, le monde! Où est ma maison? Il faut s'organiser. Je t'invite? Tu m'invites. Il, elle, on s'invite. Oh, ça fait beaucoup là. Bon, d'accord, et puis oui. Nous nous invitons. Bonjour. Vous nous invitez encore? Il, elle, s'invite. Bienvenue. Thank you.
pour moi, mon bonheur, c'est la découverte. Moi, j'aimerais avoir une maison, une petite maison à ma taille, et avoir un chat et une petite voiture à ma taille. Moi, quand je serai grand, j'aimerais bien construire une maison à moi toute seule. Moi, j'aimerais bien qu'au lieu que je sois dehors, bah, j'aimerais bien que ma maison elle soit dans l'eau avec mes parents. Et ce qui est bien, c'est que nous, on est à côté de la médiathèque, de la bibliothèque. On a deux boulangers à côté de chez ma mamie. Et on a un grand stade quand tu marches un petit peu. Et on a un banc qui voit tout le stade avec plein de choses. Et il y a un grand jardin et c'est comme un paradis. Et mon papy, lui, il adore me faire des blagues. Il me fait tout le temps rigoler. Il a deux canards en doudou. L'harmonie, ça veut dire un peu quand on est ensemble, quand on se parle gentiment, quand on joue et quand on s'entend bien. L'harmonie, c'est le contraire de la colère, parce que la colère, c'est quand on se fâche, quand on dit plein de choses méchantes, quand on se gronde. Mais l'harmonie, c'est quand on est ensemble, quand on s'écoute bien. Et voilà, comme plein de choses. Au théâtre, on apprend à être en harmonie avec les autres. Quand quelqu'un a une idée et que l'autre veut pas cette idée, ça fait une sacrée dispute. Parce qu'en fait, pour moi, pleurer, ça me fait du bien. Et c'est parce qu'après, je me dis que c'est pas vraiment si grave, donc je fais la paix avec l'autre et après, l'histoire, elle est réglée. Le paradis, ça me fait penser à un truc joyeux. Par exemple, c'est joyeux, t'es content, on rigole, on sourit, on s'amuse bien et on veille sur quelqu'un. On est vieux quand on est mort et quand on est perdu. Il y a mon papa qui dort dans la nuit et quand il entend du bruit, il y aura peut-être des voleurs de papa. Il y a un dicton chez nous qui dit les autres c'est l'enfer. Moi je dis que les autres c'est le paradis. Parce qu'en fait, je pense que le plus grand bonheur que j'ai retiré, c'est par mes amis, mon ami, dans des moments de repas ensemble, quel que soit l'endroit, que ce soit à la maison ou ailleurs, de passer des moments ensemble et avec mes amis presque plus qu'avec la famille. Je pense que ça, c'est ce que j'appellerais des moments de paradis, des moments de bonheur. Alors, pour moi, les autres, c'est pas l'enfer. L'enfer, c'est pas les autres. Pour moi, l'enfer, les autres, c'est le paradis. J'aime bien comment sur une petite
Thank you.